Bonjour, ma troisième vidéo de ce genre pour la journée. Alors, je ne vais pas ressortir très blanc de cette vidéo, hein. Vous allez avoir vraiment une mauvaise image de moi, je pense. Mais tant pis, je trouve que c'est très intéressant. Alors, depuis quelques semaines, j'essaie de voir, je rencontrais une personne dans un magasin, on va dire, hein. C'est quelqu'un qui tient un magasin. Bon, je vais pas dire qui c'est, hein. Et à chaque fois, je constate que cette personne n'est pas seule et de ce fait, je n'entre pas dans le magasin. C'est pour discuter, hein, pas pour acheter. Enfin, j'achète occasionnellement, mais pas toujours. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que j'en viens. Enfin. Je dis qu'elle n'est pas seule, mais en fait, c'est vrai que je n'aime pas quand je suis hors du tête-à-tête, mais là, c'était jouable parce que je ne cherchais pas une conversation forcément très approfondie, très complexe, donc c'était jouable pour moi et ça convenait à ce que je pouvais faire. Mais je ressentais un malaise par rapport à différentes choses depuis quelques semaines, que je n'ai plus maintenant d'ailleurs, puisque j'ai identifié le problème, et je voulais faire porter le chapeau à cette personne-là. Et c'est-à-dire que je me disais, ben, c'est pas normal, il est toujours avec quelqu'un, je peux jamais le voir, ça m'énerve, je me sens rejeté, et voilà. Et je lui ai d'ailleurs dit, ah ben, je ne suis pas venu te voir parce que tu es toujours avec quelqu'un, donc je n'ai pas envie de vous déranger ou de rencontrer des gens que je n'ai pas envie de rencontrer. Ce qui est absolument faux. C'est de la mauvaise foi complète de ma part, hein. En fait, et après même, je l'ai même croisé dans une rue, il était occupé au téléphone d'ailleurs, mais il n'en avait pas pour longtemps, je me rendais compte, hein. Eh bien, je suis parti avant, j'ai fait un petit signe de la main, je suis parti avant qu'il ait terminé sa conversation téléphonique. Pourquoi? Parce que je voulais rejeter sur cette personne le malaise que je ressentais. Et donc là, je vais rectifier le tir, hein, parce que je trouve que ce n'est pas normal. Bon, la différence entre moi et un pervers, c'est que le pervers ne se remettra pas en question. Mais moi, si je vais analyser ce qui m'est arrivé, je ressentais un malaise et j'avais besoin de faire payer le malaise par quelqu'un, mais pas très cher, hein. C'était pas non plus un malaise terrible. J'avais besoin de ronchonner, de dire ah ben c'est de ta faute, alors que ce n'était pas de sa faute, c'était de la mienne. Ça aurait pu être de sa faute, effectivement, mais en l'occurrence, non. C'était que je n'étais pas bien, et donc j'avais besoin de trouver un coupable. Et j'ai agi comme un pervers, à la différence près que le pervers ne prend pas en compte, ne se remet pas en cause. Et moi, je me suis remis en cause, et maintenant, je n'éprouverai plus cette acrimonie puisque j'ai identifié le problème. Merci en tout cas de m'avoir écouté.